Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a En tout cas, très longtemps, moi ça va très bien. dans le royaume de Galomère, Petite histoire. vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère. Et la paix s'instaura pendant 100 années, jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Waouh, quelle histoire. Je pense que c'est bon. On commence avec de la cinématique. On va aller voir si vous reconnaissez le jeu. Je vous félicite. Voilà le sorcier qui nous casse les couilles. Oh. Il est vraiment moche ce sorcier. J'étais terrifié. J'ai peur, au secours. Ah, maintenant fois un bouclier opportun peut sauver des héros à un moment inopportun. Attention, est-ce qu'on va pouvoir jouer? Je pense qu'on va pouvoir commencer à jouer. Eh bien oui!
On est sur la démo de Medieval. Alors je sais pas si on dit Medieval ou autrement, mais moi je dis Medieval. Ah oui, on le connaît, ce fameux jeu sorti sur PlayStation 1, j'y ai joué. Le fameux héros. Ah, regardez-moi ce squelette. Alors je regarde option. Ah ouais. Voilà, on va mettre ça comme ça. Il est content. Il rigole. Et on est à Medieval. Donc là, on a tous les ennemis. Et nous, on est ici. Pourtant, c'est pas le héros qui a vaincu l'ennemi. Je m'en rappelle tellement plus. Oh, la toile d'araignée. Et là, il est content. Yes! On est quand même déjà à 7 minutes. Hein. 7 minutes de vidéo, il n'y a que de la cinématique. J'aime vraiment pas les cinématiques qui durent vachement trop longtemps dès le début d'une game, en fait. Ça ne sert à rien. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Gallomer tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Est-ce que je vais pouvoir enfin jouer? Yes. Avant, on va déjà revenir en arrière pour récupérer ceci. Oula. Qu'est-ce qui se passe? C'est la sauvegarde, c'est ça? Je sais pas. Ok, donc j'ai ramassé un objet qui servait à rien. Ok, croise pour sauter. Attention, le coffre. Croise prêt, appuie sur triomphe pour le lire. Lire le livre. J'imagine que tu te sens un peu rouillé après ces 100 ans de repos forcé. Ok. Pour apprendre les bases. Les trésors que tu dénicheras. Ok. C'est les trésors. Alors, lire le livre. Tu trouveras des flacons de vie partout dans Gallomer. D'accord, flacons de vie. Ok, j'ai la vue, le petit truc qui m'a dit. Tu es prêt à quitter la crypte? La sortie t'attend. Non, on va pas quitter la crypte. Voilà quoi. Poignard trouvé. Certaines armes sont empreintes. D'accord, de... ça c'est des armes. Des runes étoiles. Ok. Bouclier en cuivre. J'ai une épée. Au cours de tes pérégrinations à travers Gallomer, tu amasseras de... Ok, ouvrir l'inventaire. D'accord, donc on peut voir les fins, brave, quand tu n'as rien sous la main. Vulnérable aux flèches et tout le reste. Qu'est-ce que tes ennemis sont de retour à la normale. C'est maintenant encore plus mortel. Ah, d'accord, c'est le mode de difficulté en fait.
D'accord, il y a un bestiaire. Allié, ennemi et boss, Zarok. Une fée, d'accord. Comment ça? Ils me disent encore d'ouvrir le. D'accord, armure. Ok, charisme pour attaquer. Ok, ça c'est pour changer. Ok. On apprend les bases. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Je veux dire, à la version PlayStation. Retrouve ce traître de Zarok en retraçant son fuite. Ok, donc allons l'éclater. Alors normalement, je crois qu'on commence dans un château dans le premier, si je dis pas de conneries. À voir. Ok, donc là c'est la zone de départ. D'accord, bah allons-y. Le cimetière. On va aller éclater des zombies et des squelettes. Ça va être plutôt pas mal. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la démo quand même. Perdons pas trop de temps. Le cimetière. Un peu du mal avec Emma. Ok, je viens de tuer un zombie. Te voilà de retour chez toi à Gallomère. Les défunts. Attendez. Changeons une commande. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est plus comme avant. Ouais, c'est un peu plus Cette dur. petite lueur qui te suit partout est un feu follet. Les héros du hall des héros ne sont pas censés se mêler des affaires des mortels, mais... D'accord, donc là il y a des ennemis. Ok, ça va, ça reste assez simple. Ça reste assez simple, continuons. Donc là j'imagine ça c'est de la... L'arrivée. Peut-être pas la reine du chaos. Ok, ça c'est pour la santé. Ne laisse pas de vulgaires zombies te ré. Mais... Non, ok, j'ai cru que c'était un passage. Donc allons par là. Ok, on a retrouvé la rune terre, ça va ouvrir le passage. Ah d'accord. Ok, lui il est tombé comme une merde. Parfois, il peut être utile de contempler la situation sous... Ouais, ok. C'était pour ça. Ah d'accord, ouais, on peut regarder comme ça, ok. Et bah allons donner la rune du chaos. Hop là, hop là, ils m'ont fait peur. Allez, on massacre. Ce soir c'était archi parmentier de zombies.
tâche de ne pas l'oublier. Rien ne... J'adore comment on les massacre. On va les tuer. Oh, ils m'ont bien fait mal. J'aime bien ces petites mains qui se baladent, c'est... Je me rappelle plus s'il y avait ça. L'objet que voici est le calice. Doté d'âme. Ok, tu te rends dans chaque région, mais comme tu vois, ils sont tous cachés. Bien, oui. D'accord. D'accord, je peux pas encore la voir. On va aller là-bas. Je sais pas trop où aller. Ok. Ah, c'est R1 pour qui est très bien. On peut descendre. Ah, d'accord, l'énergie, ok. Ah, bon. Voilà. Réfléchissons. Ici, passage. Regardez pourquoi je fais le tour. C'est pour ça. Ah là, comme ça on peut aller choper le calice. Le hall des héros t'attend, comment ça? Continuons. On verra bien. Ça doit être ça le hall des héros. Monde des vivants t'attend par-delà ces imposantes portes. Don de Vidéon en potion de... D'accord. T'as disais quoi? Le monde des vivants t'attend par-delà ces imposantes portes sépulcrales. Ah ok, donc il y a un mec ici qui aurait la clé. Bah pas là, hein, je vois plus. Faut que je pense à garder. Hein. Faire des achats. Ah, on peut faire des achats. Il vaut mis de l'argent. Ok, bon pour le moment, que dalle. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée de... On récupère de l'énergie, comme ça on est bien. I love. Oh merde, hop là. Il récupère de l'énergie. Ok. Ouvrir le coffre. Ok, bouclier en cuivre. Lire le truc. N'hésite pas à aller barboter en eau peu profonde. Mais évite. Chronique de flottaison. Ouais, en gros, ici je peux.
parler à des gargouilles. Fais attention, Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps ou... Ok. On va pas écouter la discussion, c'est pas comme si... Mais des films, merci d'avoir... Yes. Ok, bon bah voilà, c'était la petite démo du plaisir. Bon bah je m'attendais à un truc un peu plus long, ils ont vraiment fait 7 minutes de cinématique et le reste que dalle. Bah n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Peut-être le jeu je le prendrai, je ferai un petit let's play dessus, je ne sais pas, il faudrait que je regarde par rapport aux jeux qui vont sortir et ce que je dois acheter. Voilà, moi sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao et merci encore.